الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers collègues ulama, chers frères et sœurs, chers enfants, à tous et toutes présents, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, vous exprimer tout mon plaisir, après un peu de temps, dans votre masjid, dans votre ville, dans cette, mashallah, belle masjid du tampon, un véritable plaisir en ces premiers jours de notre reprise, de notre nouvelle année scolaire, l'école, madrasa, tout le monde a repris le chemin, alhamdulillah. Et cette opportunité qui nous est accordée ce soir, alhamdoulillah, ensemble, de partager quelques réflexions sur ce thème si important de ce que Maulana Shakir a introduit de l'enseignement et de l'éducation de nos enfants. Alors, mon cher ami, frère Irfan, alhamdoulillah, votre président, il m'a appelé et il m'a dit, c'est vrai que plusieurs fois, tu étais un petit peu pris. Cette fois-ci, ça nous ferait vraiment plaisir. Et il m'a rappelé que c'était un programme qui était à l'initiative des jeunes. Et quand on me dit que ce sont des jeunes qui prennent une initiative, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et tant que je peux, eh bien, j'essaye d'être présent parmi ces jeunes et de répondre favorablement à ces initiatives, à cette invitation et encourager ces initiatives. De savoir que les jeunes, eh bien, ce sont eux, hein, nos leaders de demain. Il est dit de Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah, quand il passait près de ces jeunes engagés pour le dîn, il disait ha ulai al-qaum ba'dana, ça ce sont eux, ha ulai al-nasu ba'dana, ça ce sont les gens de demain, ce sont les leaders de demain, ce seront inshallah les responsables de demain de notre communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre motivation pour le khidmat du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Irfan m'a aussi précisé qu'alhamdulillah, cette rencontre ce soir coïncidait aussi, alhamdulillah, avec la fin des travaux de rénovation de votre madrasa. Et ça, c'était une motivation de plus pour moi. Parce que madrasa, c'est alhamdulillah notre vie. Alhamdulillah. Et on remercie Allah. Les collègues qui sont là pourront témoigner que, alhamdulillah, la madrasa, la masjid, et on remercie Allah, c'est uniquement sa grâce, que ça c'est notre vie. Et c'est tout ce qui donne un sens, alhamdulillah, à notre vie et chaque jour lorsqu'on se réveille. Ce sont des années, les ulama que vous avez ici, mashallah, ceux que je vois déjà, Maulana Shakir,
Maulana Omar, Maulana Junaid, etc. Eh bien, pour les deux derniers, Maulana Omar, Maulana Junaid, ce sont des compagnons de chambre, hein, et des compagnons d'études pendant des années en Afrique du Sud, alhamdoulillah. Et ce sont des années passées, alhamdoulillah, dans le chemin d'Allah pour acquérir la science. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous place là où chacun nous sommes aujourd'hui pour essayer de faire le khidmat de din, avec ce seul souci qu'Allah ta'ala il accepte de nous. Tout à l'heure, dans la salat de Maghrib, le premier verset, hein, de la première raka'at, « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا » Mes frères, ça c'est le résumé de notre vie. Frères et sœurs, et chacun de nous, c'est le résumé de notre vie. Quand un grand prophète comme Ibrahim alayhi salat wa salam, il prend l'initiative d'une telle œuvre, construire la maison qui va symboliser la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, eh bien il n'a qu'une formule et qu'une invocation, Rabbana taqabbal minna. Première invocation, il en fera d'autres, mais celle-ci, Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, alors tout est vain, mes frères. Il faut tout arrêter. Il n'y a plus aucun sens à quoi que ce soit. La seule chose qui compte, c'est l'acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je pensais à ces amis de chambre de Darul Uloum, hein, ayant étudié dans les conditions que nous savons, mashallah, mais alhamdulillah, beaucoup de bonheur. Et je dis toujours aux jeunes que j'encourage en disant que c'était certainement la meilleure partie de notre vie, alhamdulillah, que ces années qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'étudier, hein, durant lesquelles il nous a permis d'étudier entre ces quatre murs de nos madrasas respectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que ça continue, que les générations à venir, eh bien, soient mobilisées autant et soient motivées également, inshallah, pour reprendre le flambeau. Non, c'était pas du tout ce que j'avais pensé en commençant, ce n'est pas les notes que j'ai prises, mais ça me vient comme ça, que les années passent et on souhaiterait tout simplement, parce qu'on constate que parfois il y a un petit manque comme ça dans la suite des jeunes pour prendre le flambeau. Il y a toute une partie de ulama d'un certain âge qui partent, d'autres qui vont partir, et on a besoin encore. On a souvent tendance à dire on a beaucoup de ulama, mais la réalité elle est là, il en manque encore toujours. Donc c'est important, inshallah, de motiver les jeunes qui ont la possibilité, alhamdulillah, on peut faire d'autres études aussi, mais pour ceux qui le peuvent également, inshallah, que ceux qui sont là aujourd'hui ne resteront pas éternellement. Et bien sûr, c'est le dîn d'Allah, et Allah, il fera son travail. Eh bien, c'est important pour nous aussi de nous mobiliser pour que nos musallas, nos madrasas et tous ces khidmats de dîn, eh bien, puissent continuer, inshallah, continuer à vivre, inshallah, subhanahu wa ta'ala, de manière active et sincère, inshallah ta'ala. Alors, je disais aussi donc que ça coïncide avec la fin des travaux de rénovation de votre madrasa. Et quand on est là, dans cette masjid, et dans nos masajid de manière générale, partout à La Réunion, nous ne devons pas avant tout oublier une chose également. C'est que nous devons toujours, parce qu'il faut rendre à celui qui a fait quelque chose son mérite. Et il ne faut pas oublier jamais nos anciens qui nous ont légué ces héritages ici et ailleurs dans toutes nos villes, inestimables. Inestimables. Ces kilomètres carrés, ces centaines et ces milliers de kilomètres carrés qui sont là, eh bien, c'était l'effort de nos anciens. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes là, et alhamdoulillah, nous ajoutons notre contribution, notre pierre à l'édifice. Mais alhamdoulillah, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait, exceptionnel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse leur qabr de nour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur tombe, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ses efforts inestimables. De la même manière, puisqu'on parle des ulama, ceux qui étaient là avant nous, les anciens qui sont là, et qui pendant des années ont fait des khidmats dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles d'aujourd'hui, et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense amplement. Ceux qui sont là, qu'Allah leur accorde santé et leur accorde une longue vie avec afiya. Et ceux qui ont rejoint la miséricorde d'Allah, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense sans limite dans l'au-delà. Ils ont fait, ils ont occupé ces musallas ici. Ils ont occupé ces chaises de la madrasa et alhamdulillah, ils ont dispensé. Et chacun de nous, nous avons le souvenir de nos années et les anciens auront les souvenirs de leurs années
passé sur le banc de ces différentes madrasas et tout le mérite revient à ces anciens ulama également et à ces anciens de nos parents, grands-parents qui ont contribué pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas parler de ces éléments de la masjid, de la madrasa, sans tout simplement mentionner ces gens-là qui étaient à la base de tout ce que l'on voit aujourd'hui et dont on profite, alhamdoulilah, avec beaucoup de facilité. Donc mes frères, de réaliser combien c'est précieux ce que nous avons. Combien c'est précieux cette masjid, dans cette quiétude, dans ce cadre agréable de paix. Nous sommes assis ici sans aucune crainte. Alhamdulillah, nos enfants, eh bien, ils ont une chance inestimable, une grâce de la part d'Allah qu'on ne peut pas imaginer. Assis ici, on ne peut pas comprendre. Parce que tellement on baigne dans ce bienfait, c'est devenu normal pour nous. Que nos enfants, eh bien, ils partent à la madrasa chaque jour. La madrasa du lundi au samedi, mes frères, ce n'est pas dans le monde entier, ça. Ce n'est pas partout, ça. C'est quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, parfois on ne réalise pas les bienfaits lorsqu'ils sont tellement présents. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on le voit, on a eu, alhamdoulilah, l'occasion d'aller et de parcourir d'autres endroits, d'autres pays, parfois dans des pays arabes et qui n'ont pas ce que nous avons nous ici. Dans des pays musulmans et qui n'ont pas ce que nous avons ici. Allah nous a permis d'être en Jordanie, juste pour citer cet exemple. Et je me souviens qu'arrivé là-bas, eh bien, on était, alhamdoulilah, dans un pays arabe. Et là où on était, il n'y avait pas de madrasa sur le style sur lequel nous sommes pour nos enfants là-bas. C'est-à-dire la possibilité d'envoyer nos enfants du lundi au samedi à la madrasa pour qu'ils puissent bénéficier chaque jour de l'enseignement islamique, il n'y avait pas. Il y avait un petit peu de cours une fois par semaine dans la masjid. Les enfants, jeudi après-midi, ils ont terminé l'école. Donc un petit peu d'éducation islamique qui est dispensée dans l'école et une fois comme ça dans la semaine avec le cheikh entre Maghrib et Isha. Jeudi après-midi, l'école est terminée. Vendredi, férié. Samedi, rien. Dimanche, les enfants reprennent le chemin de l'école. Et je disais à l'imam, un ami, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font les enfants? Tout ce temps qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Je dis, non, c'est la situation est différente chez nous. Et à ce moment-là, parce que parfois on a tendance à toujours voir l'herbe plus verte ailleurs. Et à ce moment-là, on fait chaud, on dit, Ya Allah, on te remercie pour ce que tu nous as accordé. Dans nos villes ici, et mashallah, le responsable m'a aussi partagé l'information qu'alhamdulillah, depuis la rentrée, vous avez débuté la madrasa après la salat de Fajr, alhamdulillah. Et j'ai souvent l'habitude de le dire dans les différentes dans les différents rassemblements lorsqu'on parle du Coran, etc. Je dis que c'est peut-être par la baraka de ces enfants qui se réveillent chaque matin dans les différentes villes de notre île et qui prennent le chemin de la madrasa, eh bien c'est peut-être par ce barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous préserve et il nous protège. On ne peut pas comprendre. À l'heure de Fajr, dans les maisons, alhamdoulilah, les lumières s'allument, ce sont des parents qui ont le souci d'amener leurs enfants à la madrasa. Et des enfants qui se réveillent, parfois fatigués, qui ont envie de dormir encore un petit peu. Mashallah, au tampon, encore un petit peu plus de fraîcheur. On a envie de rester sous la couette. Mais alhamdoulilah, ils se réveillent, ils prennent le chemin de la madrasa. Est-ce qu'on peut réaliser, mes frères, la grâce d'Allah sur nous? Et très tôt le matin, alors que l'humanité, chacun commence sa vie d'autre façon, eh bien nos enfants sont assis dans les madrasas en train de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont répondu au premier rendez-vous de la salat de Fajr et ils sont en train d'apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle faveur, quelle grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous devons déployer tous les efforts en notre possession pour continuer à préserver ce qu'Allah nous a accordé et à développer encore ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Rien n'est jamais acquis, il faut toujours continuer, inshallah subhanahu wa ta'ala, à faire avancer ce travail. Les madrasas que nous avons, les ulama, ils disent, les ulama, et quand je dis les ulama, ce sont les grands de cette dunya, ils disent que les madrasas, c'est-à-dire ces petites madrasas, ce qu'on appelle les maktab, les makatib au pluriel, ce qu'on dit aussi dans les pays arabes, les kataatib, les kuttab,
ils disent que ça c'est la colonne vertébrale de notre din. The backbone of the din. C'est la colonne vertébrale du din. Les Darul Uloum, c'est important, très important. Mais les Darul Uloum ne touchent pas tout le monde. Chaque enfant de la communauté doit passer par le chemin de cette petite école de sa ville qu'on appelle la madrasa. Salim Durat avait cette formule en disant que la flamme du iman, elle s'allume dans le cœur de nos enfants à travers cette madrasa. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de petit, ça. Maulana Yusuf Motala, hafizahullah, il disait en ce sens que quand on analyse l'histoire des musulmans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on constate quoi? On constate qu'il n'y a pas de moyen plus efficace pour préserver le iman et l'identité des musulmans que ces petites madrasas. Ça c'est une réalité. Maulana Ali Mia, rahimahullahu ta'ala, il disait, il n'y a pas de nécessité d'avoir des Darul Uloum partout et d'avoir des cours de Bukhari partout. Il disait, développer les madrasas pour les enfants. Développer ces petites madrasas, ça c'est l'obligation pour tous les habitants d'une localité. Darul Uloum, c'est très important, mais c'est un groupe réduit. Mais ça, ça touche tout le monde. Et aujourd'hui, mes frères, encore plus, on est en 2024, on est à l'heure de l'intelligence artificielle, de ChatGPT et je ne sais quoi. Allah, vraiment, il sait qu'est-ce qui attend nos enfants et les générations qui vont arriver. Quels défis ils auront à relever, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer à travers le monde, on ne le réalise pas encore. C'est pour ça, je le dis, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. On ne le réalise pas qu'aujourd'hui, le iman de nos enfants, on n'a pas la garantie que ce iman, il est protégé. On n'a pas la garantie que nos jeunes qui vont étudier ici et là, eh bien, ils puissent garder de manière saine et authentique leur iman. On leur injecte, on leur distille des doutes sur les choses les plus élémentaires de leur dîn. À propos de leur Seigneur, à propos de leur messager alayhi salam, à propos des sahaba radiallahu anhum, on les fait douter de leur Coran, parole authentique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des musulmans et des jeunes qui viennent et qui posent des questions qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour ça que personne ne se pense à l'abri en disant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alhamdulillah, on remercie Allah. Mais attention, il faut continuer à rester vigilant. Cette madrasa, elle est importante. Cette masjid, elle est importante. Et la place de ces jeunes, eh bien, elle est ici, dans cette masjid. Elle est dans ces madrasas. Nous devons tout faire. Et nous, plus grands, ulama, adultes, membres de la communauté, tout faire pour rendre le plus accessible et le plus agréable ces endroits. Le plus accueillant ces endroits. Une fois, je me souviens, un enfant était seul dans la masjid. Ce n'est pas le sujet, mais ça me passe comme ça à l'esprit. Il était en train d'accomplir la salah tout seul, un jeune, un petit. Et, sauf qu'il avait un t-shirt et les manches n'étaient pas suffisamment longues. Et j'ai vu un adulte passer et l'agresser verbalement. Ouais, qu'il n'a pas fait comme ça. J'ai dit, il est seul dans la masjid, tous les autres enfants ne sont pas là. Comme disait Cheikh Al-Kamali, il dit, il y en a un qui est à l'intérieur, il y en a beaucoup qui sont dehors. On n'a pas pensé que pourquoi les autres peut-être ne sont pas là. Celui qui est venu, on s'est arrêté sur un détail, bien qu'il puisse avoir son importance. Mais avec hikmah, avec douceur, et de leur dire, et de dire à ce jeune, « Masha'Allah, c'est admirable ta présence à cette masjid, dans cette masjid, en ce jour de vacances, où tous les camarades sont ailleurs, et toi, alhamdoulilah, tu es dans la masjid. Alhamdoulilah, tu es ici, présent, et tu as fait ta salah. La prochaine fois, mon gâté, je vais mettre un petit... Voilà. Habillé un petit peu mieux, s'il faut, sur le bras, un petit peu découvert, couvre un peu plus.
Hikma, sagesse, douceur, amour. On a besoin de ça pour que nos enfants, ils restent ici et pour qu'ils soient accueillis de la meilleure des façons. Les jeunes et les enfants resteront des enfants et des jeunes. Il y aura peut-être des maladresses, etc. Mais on ferme les yeux sur les petits manquements et on valorise leur présence ici. Ce soir, je l'ai dit, ce sont des jeunes qui prennent une initiative. On valorise cette initiative. Ce n'est pas rien. Ils auraient pu être ailleurs ce samedi soir, plutôt que de s'occuper de cuisiner, de préparer, de recevoir. Ils peuvent être très loin en train de faire beaucoup d'autres choses. Et ils sont en train de s'engager pour la communauté. Et il faut valoriser. Et il faut donner. Aujourd'hui, il faut valoriser le dîn. Il faut faire comprendre à nos enfants que, mashallah, votre présence ici, eh bien, elle nous est très, très précieuse. Ça, c'est important, mes frères. Ce sont quelques éléments qui sont arrivés dans l'élan de ce que j'étais en train de dire. Mais combien de chacun de nous ne devons prendre conscience de l'importance de cela. C'est que ces madaris, ces madrasas, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre dîn et c'est très, très important. Nous avons le récit, sans aller trop dans ces détails, mais juste encore un récit, celui de Cheikh al-Hind, hein, Maulana Mahmoud al-Hassan, rahimahullahu ta'ala. Nous savons qu'il a été, pour certaines raisons, au bout d'un moment, à la fin de sa vie, il a été emprisonné. Il a passé 4 ans dans la prison de Malta. Et quand il est ressorti, vous savez, Cheikh al-Hind, il était Ustadul Asatiza. Il était le professeur de tous les grands de nos ulama. Il était le grand professeur des grands ulama. Quand il est sorti de prison, un jour il était dans le Darul Ulum Deoban, après la salat de Isha, beaucoup de ulama étaient réunis. Et quand ils étaient réunis, il leur a dit, pendant ces 4 ans, j'ai beaucoup réfléchi dans ma cellule, dans les coins de ma cellule de la prison. Il dit, je me suis posé la question des causes du déclin de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans à travers le monde, leur déclin, que ce soit sur le plan du dîn, que leur déclin sur le plan de la dunya. Et il dit, et c'était des hommes qui étaient connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui avaient une observation au-delà de ce qu'on peut observer. Et il disait que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a 2 causes principales. Il dit, la première cause principale, c'est le délaissement du Coran dans la vie des musulmans. Vous voyez, on peut réfléchir à plein de choses. Lui, avec cette réflexion et ce temps qu'Allah Ta'ala lui a donné, il dit, délaissement du Coran dans la vie du musulman. Et deuxièmement, les tensions et les conflits internes. Il n'y a rien de plus destructeur dans la Ummah que ces 2 éléments. Ça nous empêche d'avoir les vrais objectifs devant nous et de perdre du temps sur des détails. Sans détailler tous ces éléments. Mais il a dit, voilà ce que j'ai conclu. Alors il dit, depuis ce moment, j'ai pris la résolution que à ma sortie de ma cellule, eh bien maintenant, le reste de ma vie, je vais la consacrer au khidma du Coran et à la propagation de l'enseignement du Coran. À propager l'enseignement du Coran. Et il dit 2 choses. Propager le texte du Coran et propager le sens du Coran. Il dit propager le texte du Coran comment? Eh bien, en établissant des petites madrasas, des maktabs dans tous les villages. Dans toutes les localités où il y a des musulmans, obligation qu'il y ait une madrasa pour les enfants, pour qu'ils apprennent le texte du Coran. Et alhamdoulilah, c'est ce qui se fait dans notre madrasa ici et dans toutes nos madrasas. Et deuxièmement, il dit pour préserver le sens du Coran, eh bien établir des cours de tafsir et de commentaires du Coran dans les masajid et de lier les musulmans à la pratique, à la mise en pratique des préceptes du Coran. Voilà, mes frères, la réalité et l'importance. Que ça, l'enseignement du Coran, c'est un des éléments qui peut empêcher eh bien, le déclin des musulmans à travers le monde, sur le plan du dunya et sur le plan de la akhira. C'est pourquoi, alhamdoulilah, tous ces efforts sont déployés, comme je l'ai dit, par les anciens. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, dans toutes les villes,
les comités de gestion de masajid ont pour priorité la masjid évidemment, mais priorité de l'enseignement des enfants à la madrasa. Et les ulama et tous les acteurs sont mobilisés pour cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils nous permettent d'avancer. Le Coran et l'enseignement du Coran, dans le verset que j'ai récité tout à l'heure, fait partie de la première mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel verset Allah résume les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un jeune pour répondre. Quel est le verset qui résume les différentes missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un indice, il a été lu dans la salah, il a été lu au début de cette prise de parole. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ. C'est ce verset. Il dit qu'Allah Ta'ala, il a fait grâce sur les croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager d'eux-mêmes. Et ce messager, il aura quatre fonctions principales. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Il va leur réciter le texte du Coran. Récitation du Coran. Et ensuite, وَيُزَكِّيهِمْ. Il va procéder à leur purification. Purification des croyances, purification des maladies spirituelles, etc. Et ensuite, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. Il va leur enseigner le sens du Coran. Première mission, c'est lire le texte. Et là, c'est enseigner le sens du texte. Et ensuite, وَالْحِكْمَةِ. Les savants disent que c'est la transmission de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On retient quatre missions. Transmettre le texte du Coran, réciter le Coran, purification, tazkiyah. Troisièmement, enseigner le sens du Coran. Et quatrièmement, enseigner la sunnah. Ça, c'était les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la madrasa et la masjid participent à continuer ces missions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La madrasa, elle remplit ses fonctions. À Makkatul Mukarrama, eh bien, la madrasa avait déjà pris place. Dalul Al-Qam, c'était déjà cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Makkatul Mukarrama qu'il y a une délégation des gens de Madina qui est arrivée. Et ils sont devenus musulmans. Combien de personnes? 12 Ansar, 12 personnes de Madina. Et elles sont retournées à Madina et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé un oustad et un enseignant. Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. La madrasa avait déjà commencé. À Madina tul Munawwara, où est-ce qu'il y avait une madrasa? Dans la mosquée? Ashabus Sufa, les gens de Soufa, hein, sous le commandement de Abu Huraira radiallahu anhu, le plus illustre d'entre eux, eh bien la madrasa, elle est là. Et ensuite, c'était un peu, on va dire un peu informel, cela va prendre petit à petit forme. Et les savants, ils disent que le premier à avoir établi le système de ce qu'on appelle les maktab, comme on voit les petites madrasas d'aujourd'hui, c'est Omar radiallahu anhu. C'est pendant la khilafa et le califat de Omar radiallahu anhu, eh bien, que fut établi le système des maktab. C'était la période des conquêtes. Beaucoup de gens qui n'étaient pas arabes, qui devenaient musulmans, etc. Eh bien, Omar radiallahu anhu a ressenti le besoin de structurer l'enseignement du dîn. Et c'est ainsi qu'il a mis en place, eh bien, les premières madrasas. La première, elle était commencée, il avait pris trois enseignants, dont l'un d'entre eux, Rabi' ibn Abdullah al-Khiza'i radiallahu anhu, et il leur avait fixé un salaire de 25 dirhams du trésor public. Et vous, votre travail, eh bien, c'est d'enseigner le dîn, d'enseigner le Coran. Ça, c'est la khidma et l'apport. La contribution de Omar radiallahu anhu qui avait placé en quelque sorte la base de ce qui va devenir un système à travers le monde. À travers le monde, les maktab, les madrasas. Et c'est ce qui fait, alhamdoulilah, la force de notre communauté. Et c'est ce qui fait, alhamdoulilah, également la force de notre communauté à La Réunion
ce système de madrasa qui a été mis en place. Et c'est à partir de ces madrasas que tout a commencé. Quand on parle de Imam Bukhari, rahimahullah, c'est un très grand savant, savant de hadith, celui qui connaissait des centaines de milliers de hadith. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Laqad ulhimtu hifzul Qur'an wa ana fil kuttab ». Il dit « Allah Ta'ala, il m'a inspiré la mémorisation de hadith quand j'étais encore dans la petite madrasa de Maktab, de la ville. À ce moment, Allah m'avait inspiré la mémorisation des hadiths. Et il va devenir celui qu'il est devenu avec son œuvre qui devient l'œuvre la plus authentique après le Coran, l'œuvre de Al-Bukhari. Et on voit donc que c'était ces grands hommes eh bien, qui avaient commencé leur apprentissage sur les bancs de la madrasa. C'est pourquoi, pour chacun de nous, eh bien, on comprend l'importance de cet enseignement. On a compris combien c'est important pour chacun de nous eh bien, de donner toute l'importance qui est la sienne à cet enseignement du dîn. Et je vous dis vraiment, mes frères, avec quelques exemples qui me sont à l'esprit, où que vous soyez, en tant que parents, assurez-vous que vos enfants aillent dans une madrasa. Où que vous soyez, quelle que soit votre condition professionnelle, sociale, autant que vous puissiez être occupé, n'oubliez jamais d'inscrire et de s'assurer que vos enfants sont dans une madrasa et qu'ils sont en train de bénéficier d'une éducation islamique. J'ai, comme ça, ici et là, vu des cas où on n'a pas voulu inscrire les enfants à la madrasa, où on a pensé qu'on va à la maison montrer quelques petites choses et ce sera bon. Wallahi qu'Allah il préserve, j'ai vu des cas où ces jeunes ont fini par quitter l'islam. Qu'Allah il préserve, sans jugement, sans accusation, sans condamnation, juste mettre des faits devant nous pour comprendre que, attention, ce n'est pas juste qu'ils seront privés d'un peu d'enseignement du Coran, non. Ce n'est pas juste qu'ils ne seront pas peut-être assez bien pratiquer leur dîn. Non, c'est leur iman qui peut être en jeu. C'est-à-dire ne plus se reconnaître en tant que musulman et musulmane. Et ça remonte où? Le fait que, eh bien, il n'y a pas eu de contact avec ce dîn. Ça, c'est une réalité. Un jeune est venu une fois. Il était jeune, assez grand, déjà papa. Et il me dit, j'en veux à mes parents. Et ça se voyait qu'il parlait avec une haine qu'il portait en lui, en disant, j'en veux à mes parents, ils ne m'ont pas envoyé à la madrasa. Aujourd'hui, je souffre de ça et je ne connais rien de ma religion. Et le iman de mes enfants est en jeu. Réalité. C'est pour ça, où que nous soyons, assurons-nous que nos enfants, eh bien, ils aient un lien. Ils aient un lien avec la madrasa de leur ville. Ils aient un lien avec la masjid de leur ville. Qu'ils aient un lien avec la communauté. C'est une protection pour eux. Même s'ils sont en train de jouer au foot, c'est pas grave, ils sont en train de jouer au foot dans l'enceinte de la madrasa et dans l'enceinte de la masjid. C'est une protection. Ils sont ici et pas ailleurs en train de faire d'autres bêtises. Inch'Allah, chacun de nous, chers parents, on s'engage complètement pour, finalement, ce qui est une obligation. C'est le devoir parmi les devoirs des parents. Chacun de nous, les parents, on dit parfois que moi, je veux offrir le meilleur à mes enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur offrir de meilleur? Réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Aucun père, aucun parent n'a jamais offert de cadeau meilleur à son enfant qu'une bonne éducation. C'est le meilleur cadeau. Si on ne leur a pas laissé une maison, c'est pas grave, Allah pourra toujours leur donner. Si on ne leur a pas laissé une belle voiture, Allah pourra toujours leur donner. Mais si on ne leur a pas donné une bonne éducation, il se peut que personne ne leur donnera jamais une bonne éducation. Et si nous, on oublie nos responsabilités d'éduquer, eh bien, il y a beaucoup d'éléments autour de nous qui sont prêts à les éduquer. Aujourd'hui, Internet peut éduquer nos enfants. Les réseaux sociaux vont éduquer nos enfants.
La rue va éduquer nos enfants. Les autres camarades vont éduquer nos enfants. On a Mufti Ahmad Khanpuri, rahimahullah, il disait cette expression, il dit comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu. C'est le meilleur cadeau, chers parents, que nous puissions laisser à nos enfants. Et c'est le meilleur investissement aussi. Un papa qui avait fait de ses deux fils Hafiz al-Quran, il m'a dit, Molissa, quand il s'est mort, qui s'est sanné le Quran, si mon tombe, c'est pas banna. Allahu Akbar. Parole qui m'a touché. C'est vrai. Il n'y a rien, il n'y a personne qui est plus proche d'un parent que son enfant. Et l'enfant à qui on a enseigné le Coran, c'est lui qui viendra sur notre tombe lorsque tout le monde nous aura oubliés. Alors, est-ce que ce n'est pas le meilleur investissement? Que lorsque les années se seront écoulées depuis notre départ et qu'on a laissé quelqu'un sur la terre qui continue à invoquer Allah pour nous. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que tout s'arrête. Il y a quelques actions qui continuent. Une aumône, une science qu'on a enseignée, et waladin salihin yad'u lahu. Un enfant pieux qui prie pour ses parents, eh bien notre compte continue à être alimenté alors que ça peut faire très très longtemps qu'on a quitté ce monde. Quel meilleur investissement que celui-là? Quel meilleur cadeau que celui-là pour nous-mêmes en fait? C'est pour ça. Je voudrais tout simplement juste vous dire bravo à tous ces parents. Je les vois, on les voit dans chaque ville, de ces parents qui s'investissent. On voit des mamans qui marchent des kilomètres parfois, chaque jour, depuis le matin. À la madrasa, maman, c'est beaucoup de fois plus les mamans que les papas. Hein, les papas sont aussi occupés dans leurs autres responsabilités, mais alhamdoulilah, les papas aussi. Fajr, le soir, à d'autres moments, qui sont là, à emmener les enfants à la madrasa, à les récupérer de la madrasa, à les déposer à l'école, à les ramener de l'école, à les redéposer, à les rechercher, parfois déposer un ici, déposer un autre là-bas, récupérer un autre de là-bas, récupérer. Wallahi, ce sont des pas et ce sont des efforts que vous êtes en train de faire pour fleurir votre jardin dans la tombe et pour construire votre paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sera jamais en vain. Ce seront des efforts que vous ne regretterez jamais. Peut-être ça prendra un peu de votre temps, ça prendra un peu de votre santé, ça pourra prendre un peu de vos moyens, mais ce sera certainement la plus belle des choses que vous leur aurez laissées, Inch'Allah. De quoi on a besoin? D'une sérénité. Transmettre à nos enfants ces valeurs qui demain, Inch'Allah, lorsqu'on aura avancé dans l'âge, on sera chez nous et Inch'Allah nous permettront de dormir sur nos deux oreilles. Alhamdulillah. J'ai fait ce que j'ai pu pour transmettre à mon enfant ce qu'il fallait. Et la madrasa, l'enseignement du Coran, la salah, c'est capital. Donc, bravo pour les efforts que vous faites déjà et continuez à déployer. Ne vous lassez pas, ne vous découragez pas. Organisez-vous. Parfois, ce n'est pas facile. Moulsab, je ne peux pas. Moulsab, j'ai du travail. Moulsab, je suis très occupé. Moulsab. Mais Moulsab, il a une seule chose à vous dire. Organisez-vous et mettez cela comme priorité. Si vous mettez d'autres choses en priorité, les autres choses passeront toujours avant l'éducation de vos enfants. Et ils auront une éducation par procuration. C'est le téléphone qui les occupe. C'est la tablette qui les occupe. C'est l'ordinateur qui les occupe. C'est les réseaux sociaux qui les occupent. Attention, attention. Élément dangereux, les écrans. Tout le monde en est pris au piège, mais il faut rester vigilant. Et faire autant d'efforts qu'on peut pour que, Inch'Allah, on puisse donner ce temps à nos enfants. Et on s'organise. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est pas facile. Des parents qui viennent parfois pour nous dire « Vous ne comprenez pas notre situation. » On comprend votre situation. On comprend que vous soyez très, très occupé. Mais vous voyez tout ce que je viens de dire? Eh bien, parfois, en tant que parent, on ne pense pas à tout ça. J'ai déjà vu devant la porte de ma classe des parents pleurer et craquer en disant que j'ai compris trop tard.
quelle était l'importance d'amener les enfants ici. Ou bien on était dans telle et telle condition, on est passé à côté de quelque chose. Pleurer. On se retrouve devant des papas, des mamans en train de pleurer. Alors mes frères, quand Allah nous en a donné la possibilité, quand Allah nous en a donné la facilité, quelle facilité nous sommes nous? On est voisins de la masjid ici à La Réunion. Regardez, pas besoin d'aller, juste en métropole. Les familles prennent des voitures et font des dizaines de kilomètres pour emmener les enfants dans une madrasa auprès d'un professeur. Il n'y a pas de madrasa à côté. Nous, c'est là. Les enfants peuvent même partir tout seuls, revenir tout seuls. Juste un petit effort de notre part, de s'assurer qu'ils sont à la madrasa. L'assiduité est une condition indiscutable pour la réussite d'un élève, que ce soit à l'école, que ce soit à la madrasa, partout. C'est pour ça que c'est important. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire madrasa, mais moi, je n'aime pas la comparaison. C'est très important, toutes les études que les enfants peuvent faire. C'est très, très important. Encourager nos enfants à exceller dans leurs études à la madrasa, exceller dans leurs études à l'école. Aujourd'hui, alhamdoulilah, un père qui vient de me dire « Doua pour mon fils, il est en deuxième année de médecine. » Je dis « Masha'Allah, je lui ai dit « Travaille, on a besoin de toi. » Ça fait notre fierté. Ces médecins, ces infirmiers, ces enseignants, ces avocats, et je ne sais encore quelle école, quel métier. Aujourd'hui, nos jeunes, eh bien, les postes qu'ils occupent ici, et ils mettent leurs aptitudes, ils mettent leurs acquis au service de la communauté. Excellez dans ce que vous faites. Gagnez votre vie de manière halal et soyez la fierté de votre communauté. Donc, on encourage à l'excellence de nos enfants. Qu'ils réussissent, inshallah, à l'école. Qu'ils réussissent, inshallah, ta'ala, à la madrasa. C'est pour ça, chers frères, le temps, il passe, chers mères et sœurs. Donc, vous avez compris combien c'est important pour que chacun de nous, papa, maman, on s'investisse, hein, inshallah, du mieux qu'on peut, en tout cas, de la meilleure des façons, pour que nos enfants, ils réussissent. Maulana Chacha, tout à l'heure, il a parlé du triangle. C'est un triangle. La réussite des enfants, c'est l'enfant lui-même, c'est les parents et c'est l'enseignant. Les trois. Chaque côté est important pour qu'il y ait un succès. Et les parents, ils sont ceux qui sont là pour motiver ces enfants. Je dis motiver les enfants en leur faisant comprendre l'importance de ce qu'ils ont. Parfois, les enfants, eux-mêmes, ils ne réalisent pas. Un enfant, il devient Hafizul Quran, il n'a pas compris qu'Allah lui a fait le plus beau des cadeaux. Et même nous, en tant que parents, on oublie parfois de leur montrer la valeur de ce qu'ils ont acquis. Un petit garçon, l'autre jour, hein, Hifz de la classe, un petit peu fatigué, je lui dis, ne baisse pas les bras, continue. Et comme il aime le football, je lui dis, le Coran que tu vas avoir, il vaut mieux que les 8 ballons d'or de Messi. Ah, il me regarde comme ça, il rigole. Je dis, si tu veux, ajoute les 5 de Cristiano Ronaldo aussi avec. J'ai dit, si ça peut te faire quoi, parce que les 8 ballons d'or, ça fait comme ça dans leurs yeux. J'ai dit, sans aucun doute, ton Coran, il vaut mieux que tous les ballons d'or du monde. Et ton Coran, il vaut mieux que toutes les autres réussites. Sois fier de ce que tu fais. Les enfants, hein, mon fils, même ses camarades, on est sorti pour aller à la soirée, à un endroit, et en sortant de la voiture, ils sont là, je dis, Toto, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la poche là. Il y avait une voiture qui était garée. Hein, les enfants, Inch'Allah, sont contents. Et après, je leur dis, oui, elle est belle. Je dis, mais le Coran que vous avez, eh bien, c'est meilleur que cette poche. Si Allah, il a écrit pour vous, Inch'Allah, vous aurez une poche. Mais sinon, votre Coran, de toute façon, il est meilleur que la poche. Ne sous-estimez pas ce que vous avez et ne sous-évaluez pas ce qu'Allah vous a accordé. En tant que parents, leur faire comprendre cette importance. Les enfants eux-mêmes, eh bien, qu'ils comprennent également cette importance. Chers enfants, vous qui êtes là, eh bien, je vous le dis, investissez-vous, cherchez l'excellence, travaillez et faites attention à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'utilisation excessive des portables. J'étais récemment, alhamdoulilah, Allah nous a permis de partir au Haramain. J'ai rencontré le responsable de la section de Hifz de la Masjid al-Nabawi. Sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il m'a parlé, il m'a expliqué comment on travaille, etc. Et puis il m'a donné des conseils comme ça. Après, à la fin, il m'a dit, très très important, faites attention aux écrans avec pour les enfants. C'était le responsable de la section de Hifz de la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plein d'élèves qui remplissent un pan entier de la masjid. Il m'a dit, ça c'est dangereux. Ça c'est obstacle à ça. Faites attention à l'âge auquel vous offrez. Une maman m'a dit, Molissab, je veux savoir les notes de mon enfant parce que je veux, s'il a de bons résultats, je vais lui offrir un téléphone. J'ai dit, Kala, Inch'Allah, il a de bons résultats, mais s'il vous plaît, pas de téléphone. J'ai dit, parce qu'après, les résultats peut-être ne seront plus bons. Si on veut continuer à ce qu'il soit bon, faites attention. On ne donne pas n'importe quel âge, et après, même s'ils sont assez grands, on fait attention à leur utilisation. Qu'Allah Ta'ala, il facilite. Et ensuite, les enseignants qui sont aussi un élément indispensable. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, il a mis des enseignants de qualité. Il y a une chose essentielle, c'est qu'il y ait confiance dans les enseignants de nos enfants. Ça, c'est primordial. Ce n'est pas que je défends, comme on dit, la paroisse. Non, Alhamdulillah. Je ne doute pas des qualités. Il faut une confiance. Alhamdulillah. Wallahi. En regardant les ulama à la Réunion, je l'ai dit en d'autres occasions, j'ai dit, on a des ulama ici, que s'ils voulaient entreprendre d'autres études, eh bien, ils auraient eu des très, très grands diplômes et ils auraient occupé de très, très grands postes avec de très, très grands salaires. Ces mêmes ulama, eh bien, ils ont choisi de consacrer cette matière grise et sur leur potentiel et leur capacité et tout ce qu'ils avaient, tout ce que Allah Ta'ala leur a accordé, pour apprendre le dîn et pour transmettre ce dîn. Ils avaient un but, c'est servir le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des difficultés et des sacrifices, ils ont acquis cette science et maintenant ils se sont mis au service du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la confiance. Quand il y a rupture de confiance, première conséquence directe, c'est l'échec de l'élève. S'il y a des choses, on discute de manière constructive. Et on fait avancer, Inch'Allah, et placer une confiance dans ceux à qui on a confié nos enfants pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse réussir, Inch'Allah ta'ala. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, parmi les catégories de personnes qui sont indispensables au succès de n'importe quelle communauté, eh bien, il y a les enseignants. Les enseignants et les enseignantes de nos madrasas, eh bien, ils ont beaucoup, ils sont très très précieux et très très précieuses pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la baraka dans leur vie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde avec ikhlas, sincérité, avec istiqama, avec constance, de donner le meilleur d'eux-mêmes, inshallah ta'ala, pour que, inshallah, ça produise les meilleurs des résultats pour nos enfants, pour nos moussallis, pour notre communauté, pour nos jama'at, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette, inshallah, de réussir cette éducation. La madrasa, elle a différents objectifs. Elle a un objectif premier que je vous ai dit, c'était la première mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'enseigner le Coran aux enfants, tajwid. Ça m'a fait plaisir, mes frères et mes sœurs. J'arrivais tout à l'heure, juste avant la salat de Maghrib, pour descendre de la masjid, sur le parking. Moi, je ne connais pas tout le monde ici, mais j'ai juste vu une petite fille passer. Et elle était accompagnée de sa maman. Elle était en train de lire Ghayril Maghdoubi alayhim. J'ai saisi juste cette partie-là. Et sa maman qui lui disait Ghayril Maghdoubi, la bouche pleine. Elle était en train de lire, en train d'apprendre. Et sa maman était en train de corriger sa lecture là en marchant pour venir ici à la masjid. Allahu alam, si cette maman est dans la majlis, dans le programme, toutes nos félicitations, Mubarak à vous. C'est comme ça que, inshallah, nos enfants réussiront, inshallah ta'ala. À la madrasa, en voiture, à la maison, l'éducation continue partout. À la masjid, on apprend à lire le Coran. Si à la maison, on ne les encourage pas à lire, alors, malheureusement, parfois, certains jeunes, le seul khatam de leur vie pour l'instant, c'est celui qu'ils ont fait à la madrasa. Beaucoup d'années de ça. Le seul khatam. Après, on abandonne. La salah, ils ont appris à l'accomplir. À la madrasa, on leur apprend les fara'is, les wajibat, les sunnah, les nafil, on leur apprend tout. Et après, si on n'accomplit pas la salat, comment on fait?
Ils ont tout appris à la madrasa. C'est le devoir de papa et de maman de s'assurer que mon enfant, lorsque c'est l'heure de la salat, eh bien, il accomplit sa salat. Que ce soit le matin, au zohar, ou au asr, ou au maghrib, ou au isha, qu'il pleuve ou qu'il vente, été ou hiver, qu'il fasse plus froid ou moins froid au tampon, la salat, il faut l'accomplir, mon fils. Et que tu sois à la Réunion ou que demain tu prennes l'avion pour aller étudier en France ou ailleurs, n'oublie pas où que tu sois. Papa, il veut, maman veut qu'à l'heure de la salat, tu répondes présent à l'appel de ton Seigneur. Et que tu poses ton front devant Allah. C'est le chemin de ton succès, de ta réussite. Les études, ce n'est pas la réussite, mais il n'y aura pas de réussite sans ça, avec. Accomplis ta salat. Prends ton Coran, lis ton Coran. À la madrasa, on t'a enseigné les du'as. Quelle est la différence entre toi lorsque tu manges un morceau de pain et celui qui n'a pas la foi et qui mange un morceau de pain? Mon fils, ma fille, toi quand tu manges un morceau de pain, tu te laves les mains avant. Tu t'assois et tu prends le nom de ton Seigneur au moment où tu manges. Tu le remercies et tu le du'as, tu lis le du'as après avoir mangé. Ça, c'est toute la différence entre celui et celle qui a mangé sans la foi et celui et celle qui a mangé avec la foi. Ce sont des choses simples. Mais à nous de continuer. Donc, premièrement, l'enseignement du Coran. Deuxièmement, aqaïd, sans détailler, qu'ils apprennent les vraies croyances de leur dîn à propos d'Allah, à propos du messager, alayhi salatu wassalam, à propos du akhira, qu'ils sachent que notre vie est éphémère et passagère, qu'il y aura le akhira, que la tombe est une réalité et que l'au-delà est une réalité, que le paradis, l'enfer, ce sont des réalités. Et ainsi de suite. Aqaïd, croyances. Troisièmement, les règles de sa dîn et la pratique, ce qu'on vient de dire. Apprendre le wuzu, accomplir le wuzu, la salah, le jeûne, la zakat, qu'ils puissent, au sein de la madrasa, apprendre tous ces éléments et toutes ces sciences indispensables où qu'ils soient demain dans leur vie au quotidien, incha'Allah ta'ala. On leur apprend théoriquement avec le livre et on les emmène. Alhamdulillah, les ulama le font. On emmène les enfants au wuzu khana. Regarde comment on fait le wuzu. On les amène de la masjid. C'est comme ça qu'on lève les mains. C'est comme ça qu'on lit. C'est comme ça qu'on fait le rukou. C'est comme ça qu'on fait la sajda. Ça, c'est l'enseignement pratique. Il y a des gens qui sont venus voir Ousmane radiallahu anhu et ils lui ont dit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wuzu. Aujourd'hui, si quelqu'un nous pose cette question, on dit il y a un tuto sur internet. Regardez, mais donnez-nous le lien. On va voir comment il fait les ablutions. Non. Ousmane radiallahu anhu, il a dit, amenez-moi un récipient, amenez-moi de l'eau. C'était une délégation, des gens qui sont venus, ils disent, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wuzu? Il leur dit, amenez un récipient, amenez de l'eau. Il a accompli le wuzu exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il leur a montré, ensuite il leur a dit, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le wuzu. Enseignement pratique de la religion. Nous, les enseignants, les parents, tout le monde ensemble, on s'assure que nos enfants ils bénéficient de cela. Donc j'ai dit l'enseignement du Coran, les croyances, les règles théoriques et pratiques du dîn. Quatrièmement, la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est le mois de Rabi'ul Awwal. Ce soir, on est le 4 Rabi'ul Awwal. Rappelons à nos enfants que c'est le mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos enfants aujourd'hui, ils connaissent des influenceurs. Ils connaissent des influenceuses. Ils connaissent des youtubeurs. On ne leur a pas parlé de celui qui est notre raison de vivre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne leur a pas parlé de celui qui nous a fait transmettre ce dîn, qui est le secret de notre réussite, de notre bonheur sur cette terre, inshallah, dans la akhira. Quelqu'un m'a dit, Moulissab, Cristiano a ouvert une chaîne YouTube, 24 heures, 20 millions d'abonnés. On va suivre l'actualité. Pas de problème, hein. Vous aimez le foot, je ne suis pas contre. Je jouais un peu aussi jusqu'à rupture des ligaments croisés. Voilà une petite histoire. Mais on ne leur a pas enseigné l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne leur a pas montré la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne leur a pas parlé des sahaba radiallahu anhum, les vrais héros pour nous. Ceux qui devraient réellement nous influencer. C'est eux nos influenceurs. Qui doivent influencer notre vie. C'est le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui doit influencer notre vie. On n'a rien à gagner dans tous ces modèles-là.
C'est important. La sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des califes bien guidés radiallahu anhum et la vie des sahaba radiallahu anhum. Et en dernier, apprendre à nos enfants le akhlaq, le comportement. Que le musulman, c'est celui qui, sans le voir, on sait qu'il est un musulman. Wallahi, mes frères, c'est pas du tout pour vanter quoi que ce soit, mais pour dire attention, les gens qui sont autour de nous et qui n'ont pas notre foi, eh bien, ils voient. Ils voient et ils reconnaissent le bien que les musulmans, ils ont en eux. J'étais là sur la route, on s'est arrêté rapidement pour faire un petit peu d'essence. Et le monsieur qui est venu mettre l'essence, je l'ai reconnu, il m'a reconnu. Et juste comme ça, il s'est penché à ma fenêtre et il m'a dit, tu sais, je voulais te dire quelque chose. J'ai dit, tu sais, j'ai dit à ma femme, tous ces gens qui sont autour de nous, qui nous connaissent, etc., qui sont comme nous, personne ne nous aide. Et ce monsieur-là et ces musulmans-là, tout le temps, ils sont en train de nous aider. Akhlaq. Ce n'est pas pour dire vraiment qu'Allah il préserve de toute volonté de quoi que ce soit. Mais on vit dans un contexte bien précis. Enseigner à nos enfants à bien se comporter à la maison, dans la rue, à l'école, en tant que bon citoyen de ce pays, et de cette île et de ce pays. Développer un comportement que les gens seront fiers de vous avoir avec eux et parmi eux. Akhlaq, bon comportement. Le voisin, que tu ne le connaisses, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, salue-le, sois poli et aide-le s'il le faut. Va le voir. Le musulman, il est celui qui est généreux, celui qui est sincère, il est celui qui est humble, il est celui qui est serviable. Ça, il faut le faire. Et montrer à nos enfants que tu grandis avec ce comportement-là, avec ce partage-là, avec cette ouverture, avec ce respect, avec cette tolérance, avec cette acceptation des autres, au-delà des différences de nos croyances et tout ça. C'est ça aussi, le musulman. C'est celui aussi qui est engagé, pas seulement pour sa communauté, qui est engagé autour de lui pour tous les autres. L'innas, khayrun nasi, anfa'hum l'innas. C'est le premier hadith qu'on a fait apprendre dans le recueil de hadith, c'est le premier hadith qu'on a fait apprendre à nos enfants. Khayrun nasi, anfa'hum l'innas. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus profitable aux gens. Soit utile aux gens, soit utile à la communauté. C'est pour ça, s'il y a une qualité qu'il faut encourager sur nos jeunes, c'est ce qu'on appelle le sens de la khidma. Ce soir, il y a des jeunes qui sont dans la khidma, eh bien, on doit encourager ça. On doit applaudir et féliciter ceux-là, et les encourager. Et on doit, dans nos enfants, leur dire, être servi, c'est tellement agréable. Mais servir, c'est tout un autre plaisir. Et que khidmat c'est, ibadat c'est, jannat miltihe. Qu'avec la ibadat, tu obtiendras le paradis. Qu'avec la khidma, tu obtiendras Allah lui-même, le propriétaire du paradis. Soit au service de la communauté, soit au service de tes parents. On apprend à nos enfants quelque chose qui a parfois tendance un peu à disparaître, ce qu'on appelle le adab. Tout le monde connaît adab ? Le respect. Le respect des aînés, le respect des parents, le respect du professeur. Dans la masjid al-Nabawi, tout à l'heure, je vous disais, j'ai vu que le professeur, quand il arrive, tous les enfants se lèvent et un par un va saluer en donnant la main au oustad. Ah. En Jordanie, et je disais à mon fils comme ça, j'ai dit, tu feras pareil, Inch'Allah. Quand la salat est terminée, les petits-enfants, ils viennent devant leur père, ils prennent la main, ils embrassent, comme ça. Et ils vont devant leur grand-père, ils embrassent sur le front, sur la tête, etc. Déjà simple, mais qui laisse transparaître quelque chose d'important. Le adab, le respect. Se respecter et respecter les autres. Tellement de valeurs et tellement de choses encore à, Inch'Allah, à mettre en évidence dans l'éducation de nos enfants. On retient donc ces 5 points. C'est Maulana Abdullah Kapodara Rahimahullah, qui était le directeur de Falah et Darain, qui avait cité ça dans une de ses interventions, qu'Allah Ta'ala illumine sa tombe. Il avait dit que ça, ce sont 5 objectifs d'une madrasa. Enseigner le Coran, corriger et enseigner les croyances saines à nos enfants,
la théorie, la pratique du din, la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba radiyallahu anhum, et leur enseigner le akhlaq et la noblesse de caractère et le caractère qui nous a été enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ta'ala nous permette, j'ai pris plus de temps qu'il le faut aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles et à l'aube donc de cet honneur. C'est même dans ces premiers jours et ces premières semaines de votre madrasa et de cette reprise de madrasa et de l'école, qu'Allah ta'ala nous permette à tous et à toutes, inshallah, de continuer dans cette voie. Je ne peux, comme que vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure encore, vous féliciter pour les efforts que vous déployez déjà pour le succès de vos enfants, et je ne peux que vous encourager à continuer sur cette voie. Bravo et félicitations également aux ulama, aux responsables, mashallah, de la masjid, qui ont également à cœur de mener à bien, mashallah, cette khidma. Qu'Allah vous récompense tous et qu'Allah ta'ala nous accepte tous pour le khidma de son din. Qu'Allah ta'ala nous accorde le meilleur ici-bas et dans l'akhirah. Jazakumullahu khairan. Je vous remercie de votre attention. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.